Les enseignants contribuent en grande partie à l'élection des dirigeants du Bénin. Mais ceux-ci affirment avec regret qu'une fois élus, ces dirigeants ne reconnaissent plus leurs contributions. Alors, ils ont décidé de rompre avec ces pratiques, d'où la création du réseau des enseignants éclaireurs du KUFO. Le REC fait ses premiers pas en politique aux côtés de la mouvance présidentielle pour espérer trouver solution aux éternelles revendications des enseignants. Nous intégrons officiellement le bloc progressiste et promettons respecter les textes qui le régissent. Ceci pour matérialiser une fois encore notre détermination à œuvrer pour la réalisation du programme d'action du gouvernement. Nous avons à vulgariser les bonnes actions du gouvernement du président Talon. Nos problèmes sont déjà connus du gouvernement de Patrice Talon. Maintenant que nous appartenons à sa grande famille politique, nous allons les lui rappeler quotidiennement. Il fait ainsi allusion au paiement au grade réel, la régularisation des enseignants sans contrat, l'obtention du statut particulier des enseignants, le réseau des enseignants pour l'éclairage du KUFO peut déjà compter sur le soutien et le coaching du maire de Tovikelin. Je me souviens que dans ces pays, les universitaires ont dirigé ces pays, vrai ou faux? Alors vous méritez d'être désormais et à l'avenir le chef de l'État de ces pays. Le réseau des enseignants pour l'éclairage du KUFO compte sur le dynamisme du bureau de 9 membres pour atteindre leurs objectifs très prochainement.